Là, il faut savoir, que déjà, religieusement parlant, le ravissé, je suis en construction. D'accord ? C'est-à-dire que je ne suis pas au point. Non, mais c'est pour vous mettre le contexte un petit peu. Donc, vendredi, on sort du resto tous les trois. On sort du restaurant. Vendredi, maintenant, on est très pressé. Quel restaurant ? Là, je fais l'appel pour pas faire de publicité. Quelle est l'adresse ? 34 rue des Rosiers, les meilleurs plats de Paris. Lourd, allez. Ouais, ça va, on peut mettre un peu d'humour. Non, je parlais à lui. Ah. Donc on sort, maintenant on est pressé, on est à la bourre, parce que lui, bon, il a perdu ses clés, l'autre, il machin. Bon, on est à la bourre, et maintenant il y a un barreau qui nous arrête, qui nous dit c'est l'anniversaire du rabbi. Prenez quelque chose, je vais noter, il est avec son petit cahier, comme ça, il dit je vais vous noter un petit truc, prenez genre un... Chacun prenez quelque chose sur soi. On est pressé comme ça, je lui dis écoute, il faut réfléchir, moi je peux pas prendre un truc comme ça sur moi, comme ça, pour le rabbi et tout. On réfléchit. Un congolais. Mais il vient pas souvent. Il vient pas souvent. Machin, je lui dis, bon, écoute, lundi, on en parle. Non, il faut faire maintenant et tout. Mais tu fais schéma. Je lui dis, non. J'ai dit, bon, écoute, il m'a dit, tu vas prendre ça. Fais pendant 4 jours jusqu'à l'anniversaire du rabbi, tu fais schéma. Ah, ça va. Le soir. Et tout, je fais, écoute, j'ai pas envie de prendre machin. Le schéma du soir. J'ai pas envie de prendre sur moi. Mais non, on est tous les trois, on est là. Hein. On est ensemble. Je fais, j'ai pas envie de prendre sur moi. Je vais oublier, je connais machin. Il m'a dit comme ça, il m'attrape le bras comme ça. Il me dit, ne t'inquiète pas, le rabbi va te le rappeler. Vraiment, quand je dis mot pour mot, ils étaient là. Ouais. Mot pour mot, ils étaient là, c'est pas une invention ou quoi que ce soit. Maintenant, je dis bon, ok, j'ai fait le truc, ok, fais. Note son nom, fais schéma pendant 4 jours. Vendredi arrive, vendredi soir, je vais pour dormir, je l'ai pas fait. Samedi, ça arrive, je l'ai pas fait. J'ai oublié. Pour moi, frère. Pour moi, c'est loin derrière moi cette histoire. Ça rime bien l'histoire. C'est ça la fin de l'histoire. Jusqu'à ce soir, il l'a toujours pas fait. Peut-être que ce soir, je vais y penser. Mais non. Et donc. Voilà, il est chayim, C'est pas l'histoire. Moi un peu. Et donc, arrive dimanche soir. Je finis de travailler à 19h. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir aller coucher mes filles. Pour savoir, mes filles sont dans le laïc, donc tout ce qui est religieux, machin, c'est pas encore aussi ça. On est en construction, pareil. Donc on arrive dimanche. Ça m'a l'air d'être une page internet, 404. Erreur data. C'est israélienne. Très spécial. Et donc, on arrive le soir, maintenant, je me mets au lit avec ma fille, qui a 5 ans. Je me mets au lit avec elle comme ça, et là je vais pour l'endormir, un quart d'heure, elle dort pas, 20 minutes, elle dort pas, elle me dit papa, j'arrive pas à dormir. Je lui dis bon, écoute, mon cœur, retourne-toi et tout, mets-toi bien, prends une position, tu vas t'endormir. J'arrive pas, 10 minutes, elle passe, elle dit écoute, papa, j'arrive pas à dormir, est-ce qu'on peut faire la prière? Je lui dis mais de quelle prière tu me parles? Et là je commence à avoir vraiment, pourquoi tu rigoles? Des frissons. Je lui dis mais de quelle prière? Parce que je vous assure, hein, sans vous mentir, je ne lui ai jamais parlé du schéma, elle ne connaissait pas le schéma. Je lui dis, mais ma fille, de quelle prière tu parles? Elle m'a dit, papa, je veux faire la prière pour bien dormir. Elle m'a dit comme ça, elle me dit, je crois que c'est le schéma. Et là, je parle tout seul. Je suis dans son lit et je parle tout seul. Maintenant, je lui dis, mais ma fille, qui c'est qui t'a appris ça? En fait, je dis, ma femme, elle a travaillé parce qu'elle était pour l'association pour l'association. Ils ont fait les colis et tout ça. Donc, c'est ma belle-sœur qui est venue la garder. Et ma belle-sœur, elle lui a appris le schéma pendant qu'en fait, et j'étais pas au courant. Donc jeudi soir, donc machin. Et là, donc en fait, pour vous dire que j'ai parlé tout seul, c'est-à-dire le rabbi, j'ai oublié vendredi, samedi, peut-être exprès. Mais le samedi, comme le bachour, il me l'a dit. Après, à mon avis, c'est un signe, c'est pour le bachour qu'il a dû faire ça pour le dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Non, c'était pour toi. Non, ouais, c'était pour le bachour, il sait pas. Non, mais si, tu sais, je lui ai raconté. Il est revenu aujourd'hui. Non, je lui ai raconté, il était comme un. C'est un chaliard, à la barre. Mais d'accord. Et il a touché quoi avec ta fille? Parce que tu l'as touché avec ta fille. Il m'a dit, c'est fini, faut pas oublier ta fille. C'est vraiment pour. Mais il a un rapport spécial avec sa fille. Il me l'a rappelé. En fait, il me l'a rappelé. En fait, c'était pas de. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il m'a dit, t'inquiète pas, ils étaient là quand il m'a dit, t'inquiète pas, il va te le rappeler. Énorme. Il me l'a rappelé parce que sinon c'était loin derrière moi. Vrai pour vrai, ce qui est passé le dimanche soir. Ça c'est bon, allez, le rabbi a même parlé marocain. Ils allaient passer à côté de cette histoire. Ouais. Non, on aurait pas pu passer à côté de ça. Non, mais c'est. Allo.